Citerane, vainqueur de la deuxième édition du Super Tournoi d'Abras, un tournoi de Maracana ou Petit Poteau, considéré comme le mondial du football à Abidjan durant les vacances. Les jaunes et verts s'imposent 2-0 face à Solo Kader lors de la finale sous une fine pluie dans la commune d'Adjamé. On a bien défendu, on a bien géré les buts et puis on a eu les occasions, on a concrétisé. Donc on dit merci à Dieu pour ça. Je vais devenir professionnel confirmé, mais comme tout ce que Dieu fait bon, on est encore amateur. Donc on espère devenir comme nos grands frères qui sont venus ici, nos grands frères Dendan. 51 matchs disputés entre 24 équipes venues de 7 communes d'Abidjan ont meublé la deuxième édition du Super Tournoi d'Abras. Un tournoi qui a été surtout un cadre de détection de talents. Pour la finale d'aujourd'hui, l'attaquant Haruna Dendané était présent. Il a même offert de l'eau au vainqueur. Et il s'est dit vraiment satisfait de ce qu'il a vu. On a pu détecter des talents. En l'occurrence, le meilleur buteur du tournoi, qui est Paiement Kouakou, qui vraiment a une magie de marquer les buts. Et aussi le meilleur joueur du tournoi, qui est Anissé Malik, qui est aussi un très bon défenseur. En rappel, les meilleurs joueurs et buteurs sont issus de Citerane, club vainqueur du tournoi. La troisième édition du Super Tournoi d'Abras se déroulera de juillet à août 2019.